السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے par la grâce de Dieu, la Jalsa Salana du Royaume-Uni s'est terminée dimanche dernier en portant avec elle d'innombrables bénédictions de Dieu et d'innombrables faveurs divines. J'ai reçu des lettres de la part de ceux qui ont suivi la Jalsa grâce à la MTA. Il y a d'autres personnes qui ont participé directement à la Jalsa et qui m'ont écrit. Il y a d'autres qui ont participé et qui m'ont rencontré et qui m'ont présenté leurs impressions verbalement. Toutes ces personnes, sans exception, ont déclaré que nous avons vu pleuvoir sur la Jamaat les faveurs et les bénédictions de Dieu. Qu'Allah fasse que ces sentiments et ces émotions, ces changements purs que nous voyons en chacun, que nous ressentons tous, qu'Allah fasse que ces faveurs divines que nous avons vues et que nous avons ressenties, que leurs effets et leurs résultats ne soient pas temporaires, que ces résultats soient permanents. Et que nous puissions tout le temps vivre selon les désirs et les attentes du Messie promis, alayhi salam. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que notre Jamaat ne doit pas se contenter de simples paroles et de simples déclarations. Le but ultime est la purification de l'âme. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Donc nos sentiments, nos émotions ne doivent pas se limiter à de simples expressions, à de simples déclarations. Cela ne doit pas se limiter à des sentiments temporaires. Tous ces sentiments, toutes ces émotions doivent nous faire atteindre l'objectif qui a été énoncé par le Messie premier l'Islam, objectif qu'il voulait nous voir atteindre. Toutes ces paroles que nous sommes en train d'exprimer dans des lettres ou verbalement, qu'Allah fasse que tout cela soit traduit dans nos actions.
Si nous avons pu nous purifier l'âme grâce à cette jalsa, nous allons atteindre notre objectif lorsque nous allons faire en sorte que ces changements fassent partie intégrante de notre vie. Si nous nous sommes tournés vers notre réforme, nous allons atteindre notre objectif lorsque nous allons faire des efforts constants pour atteindre cet objectif. Tout le temps, nous devons avoir en tête le fait qu'on a fait de grandes dépenses au cours de la Jalsa. Afin que les gens se purifient l'âme, afin que les gens se réforment, le calife et la Nizam et Jamaat fait des efforts conséquents. Tout cela doit être des moyens pour que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Lorsque nous allons faire des efforts conséquents en ce sens, c'est là que nous serons véritablement reconnaissants envers Dieu. Et c'est là que nous allons profiter des faveurs permanentes de la Jalsa. Et c'est là qu'en conséquence de cette reconnaissance, individuellement et collectivement au sein de la Jamaat, nous allons pouvoir acquérir les faveurs de Dieu. Dieu a annoncé que la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais vous accorder davantage. Ici, Allah déclare ouvertement où il attire notre attention vers ce principe de base, à savoir que votre progrès dépend du fait que vous utilisez à bon escient les faveurs que Dieu vous a accordées. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ces faveurs que Dieu vous a accordées et que vous ne prouvez pas votre reconnaissance, vos déclarations n'auront aucune valeur. Vous aurez tout simplement déclaré verbalement que nous avons profité de la Jalsa. Vous allez prouver véritablement votre reconnaissance et votre gratitude lorsque vous allez apporter en vous des changements grâce à la Jalsa. Les faveurs de Dieu sur la Jamaat Ahmadiyya ne tariront point. Quotidiennement, lorsque je regarde mon courrier, je vois des signes des faveurs de Dieu et des progrès de la Jamaat. Ensuite, grâce au Jalsa, et lorsque je participe dans des Jalsa ou lorsque je pars en visite, je vois ces faveurs de Dieu. La Jamaat Ahmadiyya, en tant que communauté divine, est en train de voir ses faveurs divines pleuvoir sur elle à chaque instant. Et nous sommes reconnaissants vers Dieu pour ses faveurs. Mais tout Ahmadi, individuellement, doit prouver sa reconnaissance envers Dieu. Tout Ahmadi doit être reconnaissant envers Dieu pour ses faveurs et la meilleure façon, c'est de chercher la proximité de Dieu, de faire des efforts en ce sens. Je parlais des faveurs que Dieu a fait pleuvoir sur la Jamaat. Le mois dernier, j'ai participé dans la Jalsa Salana en Allemagne. À part les programmes qui concernaient la Jalsa, il y avait aussi d'autres programmes et on a eu beaucoup de succès dans ces programmes. Je mentionnais donc la reconnaissance et je disais que Dieu a fait pleuvoir sur la communauté ses faveurs divines et la Jalsa Salana du Royaume-Uni est venu et est parti en apportant dans son sillage les faveurs de Dieu. Cet Ahmadi
qui comprend qu'après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam, il doit changer de priorité et que ses joies et ses plaisirs sont liés à la Jamaat. Cet Ahmadi prouve tout le temps sa reconnaissance envers Dieu. Il est toujours reconnaissant envers Dieu car il voit comment Dieu est en train d'accomplir ses promesses en faveur du Messie promis à l'Islam. Et il voit comment Dieu est en train d'accorder des faveurs à la Jamaat Ahmadiyya et comment Dieu est en train de lui offrir des occasions pour son progrès spirituel, pour son progrès moral et spirituel. De temps en temps, Dieu lui offre l'occasion de progresser dans ses actes d'adoration, dans ses ibadats. Et après quelques jours, Dieu va nous offrir une autre occasion pour notre progrès moral et spirituel, grâce au Ramadan qui va débuter, Inch'Allah. Si notre reconnaissance repose sur nos efforts pratiques, si notre reconnaissance repose sur le fait que nous allons nous réformer et que nous allons profiter des occasions qu'Allah nous a offertes, c'est là que nous allons voir pleuvoir sur nous davantage de faveurs de Dieu. Inch'Allah, on doit lier les bénédictions de la Jalsa aux bénédictions du Ramadan et nous devons profiter pleinement des faveurs spirituelles du Ramadan. Nous avons ressenti en nous des changements purs. Nous devons astiquer davantage ces qualités. Et lorsque nous allons faire des efforts au cours du Ramadan, c'est là que nous pourrons réellement être reconnaissants envers Dieu pour le succès de la Jalsa. Au cours de la Jalsa, on a eu l'occasion d'accomplir des ibadats individuellement et collectivement. Et certaines personnes m'ont dit que les jeunes et les enfants étaient présents en grand nombre dans les prières de Tahajjud. Il y avait des prières Tahajjud collectives et le nombre d'enfants qui étaient présents dépasse de loin le nombre qui était présent l'année dernière. Un père m'a dit que son fils de 14 ou 15 ans ne se réveillait pas pour les prières. Et durant ces trois jours, il s'est réveillé et était présent pour les prières d'Arajoud. Nous allons profiter de ces faveurs permanentes de Dieu lorsque nous allons faire en sorte que ces changements puissent faire partie intégrante de notre vie. Dieu va nous offrir après quelques jours une autre atmosphère spirituelle. Comme je l'ai dit, après quelques jours, va débuter le Ramadan. Profiter pleinement de ses faveurs. Et c'est là que cette reconnaissance va durer pour tout le temps au cours de notre vie. Et tout comme Dieu l'a déclaré, la Azidannakum, nous allons continuer à profiter de ses faveurs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Généralement, après la Jalsa, j'évoque les faveurs de Dieu. J'en fais mention dans le sermon qui suit la Jalsa. Je ne le fais pas par fierté. On ne mentionne pas les succès des organisateurs. On le fait tout simplement pour prouver sa reconnaissance envers Dieu.
On le fait pour que l'on soit reconnaissant les uns envers les autres, à savoir qu'il est important aussi d'être reconnaissant envers les hommes. Et le saint prophète a déclaré que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. C'est en ce sens que j'évoque le sujet de la reconnaissance. Et les événements au cours de la Jalsa augmentent notre certitude et notre foi en Dieu. J'ai mentionné le fait que les jeunes étaient présents en grand nombre pour les prières de Tahajjud. Les parents doivent être reconnaissants envers Dieu pour cela, car Dieu a fait en sorte que nos enfants se tournent dans cette direction. La véritable reconnaissance ici, c'est que les parents doivent eux-mêmes accomplir davantage des prières nawafil. Ceux qui ne sont pas réguliers dans les prières nawafil doivent être réguliers dans ces prières afin d'être des modèles pour les enfants. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit le dernier jour de la Jalsa, par la grâce de Dieu, il y avait des représentants de 96 pays qui étaient présents pour cette Jalsa. Des Ahmadis de 96 pays étaient présents pour cette Jalsa et chaque année, ce nombre est en train d'augmenter. En voyant ces différents peuples, l'on se souvient de ces paroles du Messie premier, notre certitude en Dieu grandit davantage. Il a déclaré à ce sujet que des peuples ont été préparés pour cela, des peuples qui vont se joindre à cette communauté. Par la grâce de Dieu, petit à petit, ces peuples sont en train de se joindre à cette communauté. Ces personnes qui viennent sont accompagnées de non-musulmans, de non-ahmadis. Il y a des Ahmadis qui viennent pour la première fois à la Jalsa et qui sont impressionnés par la Jalsa Salana, et les non-musulmans aussi expriment leurs sentiments et leurs impressions à ce sujet. Et ces personnes sont certainement impressionnés par l'organisation de la Jalsa Salana. Certains ont déjà exprimé leur point de vue au cours de la Jalsa Salana. Cela dépasse de loin l'entendement des non-Ahmadis, à savoir qu'on ait pu organiser tout cela sans qu'il y ait de heurts. Cela s'est fait non seulement par des volontaires, mais par des volontaires qui, dans leur vie quotidienne, appartiennent à différentes professions. S'ils avaient réuni un grand nombre de personnes, ces autres musulmans, ils n'auraient pas pu tout organiser. Il y aurait eu des fauteurs de troubles, des personnes aux esprits sataniques, et les gens n'auraient pas eu l'occasion de s'asseoir tranquillement. Et tout cela se passe sans heurts dans la Jalsa, et cela impressionne certainement les non-Ahmadis, car les volontaires appartiennent à d'autres professions. Les tâches qu'ils accomplissent au cours de la Jalsa n'ont aucune relation avec leur profession. Par exemple, ceux qui préparent les repas sont des personnes qui ont de grandes responsabilités. Dans leur profession, ces gens ont de hautes responsabilités. Il y a des grands businessmen parmi eux. Il en est de même pour les autres départements de la Jalsa. Il y a d'innombrables départements et toutes ces personnes qui travaillent dans ces départements le font en toute abnégation. Voilà la beauté que nous voyons dans ces volontaires de la Jamaat Ahmadiyya et cela impressionne certainement les non-Ahmadis. Il y a aussi des enfants qui offrent de l'eau. Cela impressionne aussi ces visiteurs. Il y a aussi ceux qui s'occupent de la sécurité. Tous ces différents bénévoles, hommes et femmes, sont en train d'accomplir leurs tâches tout souriant. Et cela impressionne certainement les visiteurs non-Ahmadis.
et la Jamaat Ahmadiyya a grandi davantage à leurs yeux. Par exemple, dans la délégation turque, cette année-ci, il y avait des professeurs d'université non ahmadis qui enseignent dans différents domaines. Il y avait des professeurs de tasawwuf ou de hadith. En voyant toute l'organisation de la Jalsa, en voyant que tout cela, ils ont été réellement impressionnés. Certains n'avaient pas de paroles pour exprimer leurs sentiments. Certains étaient complètement perdus. Ils étaient complètement en bouche bée. Ils se demandaient qui étaient ces Ahmadis. Et puisque ces professeurs vivent dans la crainte dans leur société, c'est pour cette raison que peut-être ils n'ont pas le courage aujourd'hui d'accepter l'Ahmadiyya, mais après la Jalsa, j'ai l'espoir que certainement ils vont répondre aux ennemis de la communauté Ahmadiyya, car ils ont vu la vérité. C'est là une des faveurs qu'Allah a fait pleuvoir sur la Jamaat Ahmadiyya. Allah, grâce à la Jalsa, a dissipé les doutes des non-Ahmadis. Et grâce à cette Jalsa, Dieu a guidé ses âmes pieuses. Il y a des non-Ahmadis qui sont venus me rencontrer, et il y a aussi des non-Ahmadis qui ont tous été reconnaissants envers les bénévoles et les volontaires. En mon nom et au nom de ces personnes, je remercie les bénévoles et les volontaires. On a reçu des lettres et des messages téléphoniques. Toutes ces personnes ont été réellement impressionnées. Ils le sont toujours et présentent tout le temps de nouveaux commentaires. Ils sont reconnaissants envers la MTA. Je vais vous présenter les messages qu'on a reçus. La majorité de ces messages sont du monde arabe. Une dame non Ahmadi qui était présente pour la Jalsa, qui est du Yémen, a dit que j'étais très contente d'être présente pour la Jalsa. J'ai rencontré des sœurs et des frères Ahmadi et je suis très content. Et ces personnes ont dissipé mes pensées concernant l'Ahmadiyya. Ces personnes ont présenté le visage véritable de l'islam. Je suis reconnaissante envers vous pour votre hospitalité. On a tout fait pour le confort des visiteurs et des invités. Il y a un nouveau converti qui a informé M. Ikrama Najmi, c'est un certain M. Khalid. Et il a prêté allégeance le 11 mai dernier. Il déclare que j'ai suivi la Jalsa Salana à la MTA. Par la grâce de Dieu, l'organisation était de haut niveau et il n'y avait pas de manquement de la part des bénévoles. Même celui qui a suivi cela à la télé a ressenti cela. Il a déclaré que M. Hashim a dit qu'il part à la Jalsa. S'il m'avait informé auparavant, j'aurais pu participer à cette Jalsa. Certainement, je serai présent l'année prochaine. Il y a une personne de Kababir qui a écrit que nous avons suivi la Jalsa Salana du Royaume-Uni avec fierté et joie. 30 000 personnes étaient présentes pour la Jalsa et tout cela s'est passé sans aucun heurt. Et cela nous présente l'image d'une ruche d'abeilles dans laquelle il y a des abeilles pures qui sont en train de travailler. Il écrit aussi que nos jeunes, grâce à la MTA Al-Arabiya, ont présenté les programmes de la Jalsa et on doit certainement les louer pour cela. En évoquant mon dernier discours au cours de la Jalsa,
Il déclare que c'est un discours qui a fait ancrer dans nos cœurs l'amour pour le saint prophète Mohammed B.S.A.L.U. C'est un discours qui nous a réveillés concernant la grandeur du saint prophète Mohammed B.S.A.L.U. Et seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter tout cela au monde. Il y a un certain M. Osama de la Moldavie qui écrit que, au cours de l'Almi Bayt, lorsque tous les serviteurs du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U. avaient formé une chaîne autour du Saint-Prophète et qu'ils répétaient les paroles de la Bayra, ces paroles m'ont réveillé en mon fort intérieur et j'avais les larmes aux yeux lorsque nous répétions les paroles de la Bayra. Si seulement je pouvais être présent là-bas et si seulement j'aurais pu profiter de ces faveurs spirituelles. Ô mes frères qui étaient présents, et félicitations pour avoir participé à cette Jalsa et pour avoir renouvelé votre Bayra. Ensuite, il écrit que je remercie la MTA grâce auquel nous qui n'avons pas pu participer à la Jalsa, nous avons pu suivre ce qui s'est passé au cours de la Jalsa. Et on doit mentionner les efforts du bureau arabophone qui a fait de grands efforts pour transmettre jusqu'à nous les images de la Jalsa. Il y a M. Yassine de la Syrie qui a écrit que je vous félicite pour le succès de la Jalsa, moi et les membres de ma famille. Je prie qu'Allah fasse que le monde arabe puisse profiter de ces bénédictions afin qu'il puisse lui aussi accepter l'imam de l'époque et que l'on puisse organiser la Jalsa dans le monde arabe afin que nous puissions y participer et que l'amour et la paix se répandent dans nos pays. Il y a Urim Sahiba qui écrit que en voyant le succès de la Jalsa, je suis fier d'être membre de cette Jamaat. Elle écrit que je renouvelle ma Bayra et je vous promets maintenant que je vais faire des efforts pour traduire dans la pratique toutes les conditions de la Bayra. Priez que je puisse être présent pour la Jalsa l'année prochaine. Il y a une dame de la Syrie qui a écrit que je vous félicite pour la Jalsa Salana et pour la Bayra internationale. Je n'ai pas pu être présent pour la Jalsa. En dépit de mes efforts, je n'ai pas eu de visa, mais j'avais le grand désir d'être présent. Et ce désir ne fait que s'accroître. Il déclare que les femmes de ce bas monde sont intéressées par les choses matérielles, mais moi, ma joie, c'est d'être parmi vous. Elle écrit que je ne sais pas quand je pourrai être présente à Hadikatul Mahdi afin de profiter de la spiritualité de ce lieu. Ma joie sera la plus grande ce jour-là. Elle écrit aussi que je vous remercie pour avoir présenté ces mises spirituelles. Nous avons profité de la Jalsa Salana et nous avons profité de vos discours. Priez pour qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps profiter des bénédictions de la Jalsa et que nous puissions tout le temps être obéissants envers le calife. M. Abdulatif des Émirats a écrit que je vous félicite pour la Jalsa Salana, grâce auquel vous avez rempli les cœurs des Ahmadis de l'amour, de la fraternité. Sans aucun doute, la Jalsa Salana est un moyen pour renforcer sa foi. Cette Jalsa annonce la victoire à ces personnes qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Mais Allah va compléter sa lumière, même si cela a déplu aux kafirs. Il y a une dame d'ici qui écrit que tout d'abord, je vous félicite pour le succès de cette Jalsa. Et je remercie Dieu qui nous a offert les moyens et qui a fait en sorte que nous puissions participer dans cette Jalsa. Priez pour que
nous puissions profiter de vos discours et les traduire dans la pratique, et que nos enfants aussi soient des membres à part entière de cette Jabhat bénie. Elle écrit que nos frères pakistanais sont en train de servir la communauté et font preuve d'humilité. Priez pour que nous aussi, nous les Arabes, nous puissions adopter ces qualités. C'est là leur humilité. Par la grâce de Dieu, les Arabes aussi sont en train de servir à la communauté en toute humilité. Il y a un Égyptien qui a participé à la Jalsa qui écrit que « Moi et tous mes compagnons, nous avons été réellement impressionnés par la Jalsa. Salam. Grâce à votre dernier discours, nous avons eu la force de faire face aux grands défis. Et notre foi dans la Khatm Nabouan n'a fait que se renforcer. Priez pour qu'Allah nous accorde l'occasion d'accomplir nos devoirs. Cette Jalsa nous a présenté des scènes extraordinaires de l'hospitalité. On voyait partout les grâces de Dieu et de grandes qualités. Le jour où j'étais présent, je voyais partout la grandeur de Dieu et les faveurs du saint prophète Mohammed Mustafa. On ressentait la présence des anges de Dieu qui accomplissaient ses œuvres. Qu'Allah guide les gens grâce à cette Jalsa. Et il y a une dame qui s'est convertie récemment de l'Égypte qui écrit que auparavant j'entendais parler à propos de la Jalsa et ce jour-là j'étais présente moi-même à Hadikatul Mahdi. Le calife était présent là-bas le jour de la Bayra. Moi et mon époux ne pouvaient pas être présents là-bas parce que mon mari n'avait pas reçu de carte et moi j'étais accompagné de mon enfant et je ne pouvais pas être à l'intérieur du chapiteau. Et je tout regardais à la télé. Et il a déclaré que j'étais en train de prier pour vous. Et ce moment-là, j'ai compris que j'ai appris ce que c'est que l'obéissance. Et sans rien dire, j'ai fait preuve d'obéissance et j'ai pris mon enfant et je suis sorti à l'extérieur. Je prie pour ces personnes qui étaient responsables de la discipline. Vous leur avez enseigné l'hospitalité et comment recevoir les invités. Il y avait des sourires sur leur visage et on comprenait leur sincérité grâce à cela, comme si c'était des invités qui étaient venus chez eux personnellement. Généralement, mes enfants sont avec leur père et ils dormaient et se réveillaient lorsqu'il y avait des slogans. Priez pour que nous puissions participer à la Jalsa chaque année, car maintenant nous ne pouvons rater la Jalsa Salana. Il y a quelqu'un du Maroc qui a écrit que je vous félicite pour le bon déroulement de la Jalsa. Priez pour que nous puissions organiser la prochaine Jalsa à la Mecque afin que nous puissions nous aussi participer dans la Bayra. Voilà donc quelques impressions de quelques Arabes. On n'a pas encore reçu toutes les impressions. Il y avait aussi un grand nombre d'Américains qui étaient présents pour la Jalsa. Il y avait 30 Américains de souche qui étaient présents. Et lors de la mulaqat, ces personnes avaient remercié Dieu pour être présents pour la Jalsa. Et on ne pouvait décrire leurs sentiments concernant le califat. Et ils n'avaient pas de mots pour décrire leurs émotions. Ces personnes avaient un grand amour pour le califat, pour le Messie premier, pour le saint prophète Mohammed Mustafa. Leur cœur débordait de ces amours uniquement pour l'amour de Dieu. Qu'Allah fasse que ces personnes progressent dans leur foi. Ces Ahmadis américains ou ces Ahmadis arabes ou les autres Ahmadis, ceux qui ont participé dans la Jalsa, ont apporté en leur personne de grands changements. Qu'Allah fasse que ces personnes puissent se rapprocher davantage de Dieu. Comme je l'ai indiqué auparavant, la MTA
a joué un grand rôle au cours de la Jalsa. La MTA a uni le monde de l'Ahmadiyya et ils ont aussi montré d'autres émissions. La MTA est en train de jouer un grand rôle et les Ahmadis du monde entier sont reconnaissants envers les bénévoles de la MTA. Cette fois-ci, au cours de la Jalsa, entre les discours, il y avait plusieurs émotions qu'on avait préparées et on avait deux jeunes présentateurs qui étaient présents. Cela a beaucoup plu aux Ahmadis. Nos émissions à nous sont là pour mener les hommes vers la vérité et il n'y a pas d'artifice dans nos programmes. Il doit en être ainsi. Alors que les autres chaînes de télé pensent que ceux qui viennent à la télé doivent se maquiller et les programmes doivent être remplis d'artifices et tout un chacun ment tout simplement pour présenter son point de vue. Voilà ce qui se passe dans ces émotions qu'on présente ailleurs. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, c'est la MTA qui est exempte de toutes ces futilités. Nos présentateurs aussi sont exempts de tout artifice et sont emplis de sincérité. Lorsqu'on montre cette sincérité au monde, les gens le louent certainement. Qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont préparé ces émissions, ces personnes qui ont participé dans ces émissions et ceux qui ont préparé et diffusé ces émissions. Je leur remercie aussi en mon nom et au nom de tous les Ahmadis du monde entier. Qu'Allah fasse que ces hommes et femmes qui travaillent pour la MTA grandissent dans leur sincérité. Lorsque vous allez entendre ces paroles d'éloge en votre faveur, en tant que croyant, vous devez faire preuve d'humilité et vous devez avoir en tête le sujet de la reconnaissance. Et ces bénévoles, hommes et femmes, doivent se prosterner davantage devant Dieu en toute humilité. Et c'est là qu'Allah va affiner davantage leurs qualités. Généralement, par la grâce de Dieu, les bénévoles, hommes et femmes, font de leur mieux pour accomplir leurs tâches au cours de la Jalsa. J'en ai fait mention auparavant, chaque année, j'évoque ce sujet. Et cette année-ci, il y avait aussi des bénévoles, des jeunes hommes et des jeunes filles qui appartiennent au Wakfinino. Ces Wakfinino se sont acquittés de leurs devoirs en toute sincérité. Et leurs responsables m'ont présenté de très bons rapports à leur sujet. Qu'Allah fasse qu'ils puissent comprendre l'esprit pour lequel ils se sont dédiés pour la cause de Dieu et qu'ils agissent toujours en accord à cet esprit. Après la Jalsa Salana de l'Allemagne, quelqu'un m'a dit que j'ai participé dans cette Jalsa et là-bas, j'ai été vraiment impressionné par le fait qu'il y avait du silence dans la salle des dames alors qu'il n'y avait personne qui avait la responsabilité de maintenir le silence. Et les dames ont toutes écouté silencieusement. J'ai reçu une lettre à ce sujet des États-Unis. Il y a une dame qui a écrit que j'ai participé pour la première fois à la Jalsa. Et au cours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, il y avait des bénévoles qui avaient des panneaux aux mains afin de maintenir le silence. Et les femmes elles-mêmes ne faisaient pas du bruit et elle a dit qu'on doit voir la même chose au Royaume-Uni. Elle parlait des Jalsa de l'Allemagne et des États-Unis. Je n'ai pas porté attention à ce qu'a dit cette dame concernant la Jalsa du Royaume-Uni, car je savais très bien que cette dame va exagérer concernant les dames qui étaient présentes pour la Jalsa Salana au Royaume-Uni. Mais moi, je sais qu'au cours de mon discours, je n'ai pas vu de bénévoles qui avaient des panneaux aux mains afin de maintenir le silence dans la salle.
En dépit de ce fait, il y avait un grand silence dans la salle. Et toutes ces personnes m'écoutaient avec attention. Et j'ai su que généralement aussi, il y avait du silence dans les salles. Les dames écoutaient les discours en silence. Et il n'y avait pas de bruit. Les volontaires et les bénévoles doivent être reconnaissants envers ces dames qui étaient présentes pour la Jalsa Salana. Et ceux qui ont participé dans la Jalsa Salana doivent être reconnaissantes elles aussi. Et leur reconnaissance, elles vont la prouver lorsqu'à l'avenir, elles vont faire preuve davantage de discipline et lorsqu'elles vont faire des efforts pour profiter des bénédictions de la Jalsa Salana. À la maison, elles doivent faire des efforts pour vivre selon les préceptes de Dieu et de son prophète. C'est là la grande responsabilité des femmes. C'est ainsi que vous serez véritablement reconnaissante envers Dieu. Il y a un non-Ahmadi qui m'a présenté les émotions d'un bénévole. Il y avait un maire qui était venu de la Suède. Il m'a dit qu'il était accompagné d'un bénévole de la Jalsa Salana. Je crois que c'était un responsable d'un département et il avait pris ce maire pour lui montrer le village de la Jalsa d'une hauteur et lui montrer les voies et les chapiteaux. Ce bénévole était très ému. Il disait que vous êtes en train de voir cette scène très belle. Cela nous a pris 2 semaines pour ériger tout cela et après 1 semaine, nous allons tout nettoyer. Et il n'y aura qu'une plaine devant vous. Et en prononçant ces paroles, ce bénévole était très ému. Donc ceux qui travaillent avec ardeur ont ces sentiments au cœur. En tout cas, cela fait partie de nos devoirs, à savoir que nous devons respecter le délai qui nous est imparti et nous pouvons utiliser ce terrain que pour un laps de temps spécifique seulement. Et comme vous le savez, après la Jalsa, on doit tout démonter et ces bénévoles font beaucoup d'efforts pour bâtir, pour ériger tous ces chapiteaux, pour tout organiser et ils font beaucoup d'efforts aussi pour tout démonter. Qu'Allah les récompense tous. Les participants aussi doivent être reconnaissants envers Dieu, car Dieu leur a donné la possibilité d'être présents pour la Jalsa Salana, et ils doivent être reconnaissants envers les bénévoles, car ces derniers leur ont offert un bon séjour. Et les bénévoles aussi doivent être reconnaissants envers Dieu qui leur a accordé la possibilité de servir sa cause. Tous deux avaient le même objectif, à savoir s'unir pour la cause de Dieu afin de promouvoir la foi, l'islam, afin de faire des efforts pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs devoirs. Qu'Allah fasse que nous puissions tous comprendre ce sujet et que nous puissions tout le temps nous prosterner devant notre Seigneur. Que nous puissions tout le temps avoir comme objectif le plaisir de Dieu et que nous soyons de véritables Ahmadis, que nous puissions présenter au monde les enseignements véritables de l'islam, et c'est là que nous pourrons nous acquitter de notre devoir d'Ahmadi. Et pour cela, nous devons avoir en tête ces paroles du Messie promis alayhi salam. Il déclare: afin de protéger l'islam, afin de montrer la vérité qu'est l'islam, vous devez en premier lieu être des exemples en tant que musulmans.
Ensuite, vous devez présenter au monde les qualités de l'islam. Ensuite, il déclare qu'Allah désire qu'il y ait de la foi au cœur. Il désire faire cela grâce à cette communauté. Comme je l'ai dit au tout début, l'objectif premier de la Jalsa, c'est d'apporter en nous des changements purs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité, qu'Allah fasse que nous puissions apporter en nous ces changements purs et que nous puissions accomplir les désirs promis à l'Islam.